à toutes. Aujourd'hui, j'ai fait une quiche mexicaine. Alors, il y a des poivrons, il y a du maïs, il y a de la viande hachée. Je vais passer tout de suite à la recette. Je mets l'huile d'olive, à peu près 2 cuillères à soupe. Je mets l'oignon et les 2 gousses d'ail hachées. Un peu de piment de cayenne. Du poivre. Une grosse cuillère de tomate concentrée. Un demi-poivron vert, un demi-poivron rouge, coupé en longueur, en fines lamelles. Je rajoute 2 tomates coupées en dés. Au bout d'un quart d'heure de cuisson, je rajoute une petite boîte de maïs. Après plusieurs minutes de cuisson, je rajoute 300 g de viande hachée. Je rectifie l'assaisonnement. Au bout de 5 minutes, j'éteins et je passe à l'étape suivante. Dans un bol, je mets 3 œufs. 3 grosses cuillères de crème fraîche. Bien bombé. Je mélange. Je mets la farce dans ma pâte feuilletée. Et je mets ma crème œuf par-dessus. Et j'enfourne. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.